Une des plus belles, celle-ci, ou c'est même sur le même registre que la Vuelta? Quand même pas, parce que la Vuelta, c'était quand même World Tour, c'est quand même complètement différent, mais en tout cas, c'est sûr que ça fait plaisir, parce que c'est plus d'un point de vue personnel, c'est vrai que ça fait quand même depuis l'Arctique, juste après le Tour, j'ai fait juste le Grand Prix de Ploué, donc je savais pas trop où j'en étais, j'ai dû quand même bien m'entraîner tout seul, donc c'est vrai que ouais, je savais pas trop où c'est que j'en étais, donc au final j'étais content de j'ai bien géré ma course et mon ascension pour pas me mettre trop dans le rouge non plus, et donc je suis content d'avoir pu m'imposer. C'est vrai que c'est cool. Le sprint, comment il s'est passé? Après, on a bien collaboré les 25 derniers kilomètres quand même, puisque du coup, on était deux et tout le monde a quand même bien collaboré, donc c'était cool. Et puis après, c'était un sprint un peu plus à la fraîcheur qu'autre chose. D'accord. Et tu le t'es en tête, tu c'est lui qui est en tête, comment ça se passe? C'est vrai qu'on est arrivés tous les deux, donc du coup je suis resté derrière et puis à 150 mètres on a commencé à chacun à lancer le sprint. D'accord. Ça marche, merci à toi, bravo encore.